Salut à tous, bienvenue à l'émission Pendule à l'heure, l'émission qui remet les pendules à l'heure sur les questions doctrinales et sur la déontologie chrétienne. J'ai avec moi, comme d'habitude, le pasteur Isaac, le pasteur Darius et le pasteur Gentil. Bonjour mes chers pasteurs. Bonjour apôtre. Que Dieu vous bénisse. Amen. Nous sommes en train de parler des pensées dans cette série sur la gestion des pensées. Mmh. Et aujourd'hui, nous allons vraiment vous montrer les dangers d'une mauvaise gestion des pensées. Mmh. Déjà, les dangers pour nous-mêmes, mais les dangers aussi dans nos relations avec les autres. Dans les émissions précédentes, nous avons introduit un tout petit peu le thème et nous vous avons parlé un tout petit peu de ça, mais là on va rentrer vraiment en profondeur et vous allez voir, après cette série, vous prendrez vraiment l'engagement de gérer correctement vos pensées. Pasteur, tu devais revisiter une définition des pensées que tu as donnée que tu as donnée la dernière fois. Merci, Napo. Et tu voulais compléter l'opportunité que tu me donnes d'être dans cette émission pendant l'heure. Oui, effectivement, ce thème est extrêmement important, gérer les pensées. Donc, du coup, par rapport à la dernière fois, comme le pote vient de le dire, je voulais vraiment revenir sur une approche de définition du mot « pensée ». Je pense que ce mot-là est quand même le mot-clé dans ce qu'on va développer, tout ce qu'on va développer. Donc, j'avais donné un peu la dernière fois une définition. Donc, je veux vraiment définir la pensée comme... Elle n'était pas fausse, hein, ta définition. Mais je trouvais qu'il fallait quand même... Oui, j'aurais quand même fallait ajouter les... Moi, ça va beaucoup m'aider par rapport à la suite. Donc, on peut définir une pensée comme une image ou un ensemble d'images avec des possibilités destructives ou constructive. Et puis on peut également ajouter que la pensée est une image qui fonctionne avec des émotions, une pensée, une image qui peut provoquer, générer des émotions. Exactement. Donc c'est un peu ce que je voulais ajouter en termes de définition. Ouais, parce qu'on a parlé un tout petit peu de ce qui peut donner de la force à une pensée. On a vu que les émotions pouvaient donner de la force à une pensée. Tout à fait. Après, il y avait aussi d'autres facteurs qui pouvaient donner de la force à une pensée. Bon, pasteur Darius. Bonjour encore une fois, apôtre. Merci beaucoup pour l'opportunité. Amen. Je pense que c'est très très important que les internautes comprennent que les pensées, j'ai envie de dire que ça va être le socle sur lequel notre foi va se baser avant de se développer. Et donc, je pense qu'on va voir ça tout au long de cette de l'émission. Mais les pensées sont vraiment nécessaires pour nous aider à avoir la foi complète. Ouais. Parce que sans les pensées, on ne peut pas vraiment construire notre foi. Notre foi va prendre racine également aussi dans nos pensées. Parce que c'est vrai que principalement, elle prend racine dans notre esprit. Mais après, il faut que ça monte au niveau de notre âme, dans nos pensées, pour que nous puissions ensuite la libérer, en fait. Amen, amen. Ben, je pense qu'ils ont tout dit en guise d'introduction. Merci, apôtre, effectivement, pour l'opportunité. Je pense qu'en approfondissant la gestion des mauvaises pensées, nous allons voir des choses très intéressantes. Nous allons pouvoir parler des personnages très importants comme Élie, des personnages importants comme Moïse, ainsi de suite, et comment ils se sont distingués. Certains en se qualifiant par la bonne gestion de leurs pensées, certains en fait en se disqualifiant eux-mêmes par la mauvaise gestion de leurs pensées. Donc je pense qu'on est effectivement sur un thème très très important qu'il ne faut surtout pas manquer. Ok, donc on peut pas tout simplement vivre comme ça en négligeant ce qui se passe dans nos pensées et en négligeant la gestion de nos pensées. Moi, je connais des personnes qui disent « Ah non, moi, ce qui me passe par la tête, je dis. Hein, je suis quelqu'un de franc, je suis quelqu'un d'honnête, donc ce qui me passe par la tête, je dis, en fait. » Et on dit souvent que c'est une très grosse erreur de pouvoir parler comme ça, pasteur. Effectivement, je pense, comme je l'ai dit un peu tantôt, c'est que la pensée va avoir des possibilités destructives ou des possibilités constructives. Donc, en d'autres termes, notre façon de penser peut déterminer l'atmosphère dans laquelle on va travailler ou l'atmosphère qu'on veut produire. Donc, c'est important de comprendre ça et savoir également effectivement que les émotions, que les pensées peuvent produire des émotions. Et ce que je voulais également ajouter par rapport à la foi, c'est vrai que j'y ai pensé après l'émission la dernière fois, mais vendredi matin, j'étais vraiment en train de me dire, mais tiens, mais en fait, nous sommes le produit des pensées de Dieu. Donc, quand Dieu va dire dans Genèse, créons l'homme à notre image. Faisons l'homme à notre image. Donc, en fait, c'est vraiment nous. Ça veut dire que, pour dire que
En fait, la pensée a vraiment une origine spirituelle. Et qu'on ne peut même pas dissocier tant que ça la foi de la pensée. Yes. Je pense que quand la foi est là, la foi génère un type de pensée. Et on le voit avec Abraham, quand il va offrir son fils, la Bible va nous dire Abraham pensait. Il pensa que Dieu est à même de ressusciter les morts. Donc, tu vois, quand on parle de la foi génère des pensées. C'est pour ça, quand il y a la foi est dans l'esprit. C'est pour ça que c'est important que les gens comprennent que quand on parle de pensée, il y a même une définition qui me vient, c'est vraiment la pensée est une force intangible. Quand on parle de la pensée, dans le domaine de l'esprit, bien sûr, c'est le monde, l'intellect et tout ça, mais on l'avait dit à une émission, que l'âme est née quand même du contact de l'esprit et le corps. Donc, en fait, c'est l'esprit qui a créé l'âme et qui a donné vie au corps. Sinon, qui a créé, qui a créé également la vie bios. Donc, la pensée vient à quand même l'origine de l'esprit. Donc, quand la foi est là, normalement, la foi va générer un type de pensée. Donc, je pense que ça va aider les uns les autres à comprendre la gestion un peu des pensées. Pasteur Gentil, tu voulais dire. Pour rebondir sur ce que tu disais, apôtre, pour revenir plutôt à ce que tu disais, les personnes qui vont dire ce qui me passe par la tête, je le dis. La Bible va dire quand même, nous exhorter à être lent à parler, prompt à écouter. Je pense que c'est important de savoir tourner sa langue cette fois dans la bouche, comme on a l'habitude de dire, avant de pouvoir prendre la parole. Parce que Jésus dit quand même que ce que je dis vient de l'abondance du cœur. C'est vrai. Donc, si je me hâte à parler, ça va démontrer aussi que dans mon cœur, il y a une sorte d'impatience. Ça va démontrer aussi que dans mes pensées, il y a une mauvaise gestion de mes pensées. Ça veut dire que mes pensées ne sont pas suffisamment disciplinées et elles, en fait, elles se hâtent à sortir. Alors que quand je gère correctement mes pensées, je vais d'abord bien les discipliner, bien les ordonner avant de prendre la parole. Et ça va déterminer aussi la qualité de mes résultats parce qu'on voit que Dieu pense ce qu'il dit. Et lorsqu'il le dit, c'est bien organisé. Tout est fait dans un certain ordre parce qu'il l'a bien pensé. Donc c'est important vraiment de prendre le temps avant de prendre la parole parce que ça va déterminer même l'impact qu'on aura dans notre, dans notre vie. Parce que l'impact qu'on a dans la vie est lié au type de pensée qu'on a. Or le type de pensée qu'on a va impacter notre langage. Donc c'est tout ça est très important et très lié. Et j'aimerais aussi rebondir sur ce qu'il dit parce que c'est intéressant de voir que une personne qui va parler sans réfléchir, en réalité, elle s'expose. C'est ça. C'est-à-dire qu'elle met, elle se met à nu elle-même, en fait. Or, une personne qui est capable de se mettre à nu elle-même, aujourd'hui, on sait que c'est les enfants. C'est-à-dire, les enfants vont s'exposer. Un enfant peut, de 2 ans, 1 an, peut courir ici à moitié nu ou même complètement nu, il va rigoler, ça ne le dérange pas. Or, une personne qui va être capable de parler sans prendre le temps d'analyser ce qu'il est en train de dire, ça veut dire que quelque part, elle se met à nu. Elle va exposer son ignorance, elle va exposer ses peurs, elle va exposer ses frustrations. Donc, quelque part, ça démontre un manque de maturité. Et un manque de sagesse en fait. Donc en réalité, le fait de prendre le temps de parler, c'est de prendre le temps de se présenter aux gens en fait. Parce que nos pensées démontrent qui nous sommes. C'est ça. Donc si on parle très vite avant même de prendre le temps de réfléchir, c'est qu'on n'a pas pris le temps de s'apprêter avant de se présenter au monde. Et c'est pour ça, je pense que la Bible va dire, en dehors de la sagesse, il faut avoir également de l'intelligence. Je pense que c'est vraiment l'intelligence qui va nous permettre de d'être dans cette phase analytique-là de nos pensées, de pouvoir tâter, de mesurer, comment dire ça, la force des pensées qu'on a. En fait, c'est vraiment ça, je pense, que le rôle, d'où la réflexion, c'est le rôle de l'intelligence, arriver à avoir déjà à placer les pensées ensemble et également mesurer la force de ces pensées-là, mesurer cette force. Est-ce que cette pensée-là va construire? Est-ce que cette pensée-là va détruire? Je pense que c'est vraiment le rôle de l'intelligence. Et là où c'est intéressant, ça nous permet aussi d'être équilibré. On se rend compte quand même en lisant la Bible d'une histoire d'une femme qui a été prise en flagrant délit d'adultère et on l'emmène devant Jésus. Jésus ne s'est pas précipité à donner tout de suite son avis sur la question. Il a d'abord pris le temps d'écouter, il est en train d'écrire sur le sol, mais pourquoi il écrivait? Parce qu'il réfléchissait aussi à la situation et aux différentes options, aux différentes solutions de sagesse qu'il pouvait proposer. Et la seule question que Jésus va poser va déstabiliser ceux qui étaient les accusateurs. Donc des fois, le temps qu'on prend à la réflexion va nous
permettre de poser des questions très pertinentes. Mm-hmm. Et ces questions-là seront décisives pour la suite des événements. On voit même à la question de Jésus, Jésus va même éprouver leur pensée. Ouais. Parce qu'on voit quand même que la pensée peut déterminer également notre discernement. C'est ça. Les pensées qu'on va avoir peuvent déterminer comment on va voir les choses, le véritable discernement. On voit que Jésus, quand les personnes arrivent, vont accuser cette dame-là d'adultère. Mmh. Il va se mettre à écrire au sol, ainsi de suite. Ensuite, il va leur poser la question. Quelque part, c'est pour éprouver leur état d'esprit. Mmh. Est-ce que réellement, on peut même dire, bon, je ne sais pas si elle avait vraiment commis l'adultère, cette dame-là, mais on voit que quand Jésus va éprouver leur pensée, mais ils ne vont pas aller plus loin. Ils vont être dans la confusion. Mmh. Donc, on voit quand même que parfois, les pensées qu'on a peuvent fausser notre discernement. Je pense que c'est pour ça que Jésus va prendre le temps de réfléchir et va éprouver leurs pensées. Mm-hmm. Donc Jésus montre ici dans cet épisode dont le pasteur Gentil vient de prendre qu'on peut avoir des mauvaises pensées et tomber dans des mauvais jugements. Mm-hmm. Donc on voit que nos pensées peut fausser notre discernement. Je pense que c'est pour ça que je pense que les pharisiens, ils vont finalement aller par plusieurs chemins parce que on dirait qu'ils n'étaient pas sûrs de leurs accusations. On a l'impression qu'ils ne sont pas sûrs parce que finalement, ils vont être là et ils vont partir. Il va quand même dire après à la dame, « Bon, va, ne pêche plus. » Bon, voyez un peu... Je pense que, sans vous en tout coup d'apôtre... Allez-y, c'est le sixième tour, mais allez-y. Allez-y, tant que je ne parle pas. Non, en fait, à partir du moment où... le pasteur Isaac a dit une chose, pasteur Gentil aussi. À partir du moment où ils se sont sentis accusés, quelque part, ils n'avaient pas pris le temps de réfléchir. Mm. Et souvent, quand on prend le temps de réfléchir, on donne toujours une meilleure réponse. Mm. On donne toujours un meilleur chemin de réflexion. Mm. C'est-à-dire qu'ils vont ramener la dame... en l'accusant d'adultère, ils vont commencer et eux, ils ont seulement pensé d'une seule façon, ils n'ont pas pris le temps d'y réfléchir, ils n'ont pas pris le temps de pousser la réflexion. Et lorsqu'ils ont ramené la dame qui a été accusée en fait d'adultère, comme ils n'ont pas pris le temps de réfléchir, Jésus va prendre le temps de réfléchir, comme le pasteur Gentil disait. Et parce qu'il a pris le temps de réfléchir, il va très souvent, les gens qui parlent très vite pensent que réfléchir, ce n'est pas de l'action, en fait. Alors que quand tu réfléchis, tu es déjà en action. C'est juste que ce n'est pas verbalisé. C'est juste que ce n'est pas vu à l'extérieur. C'est juste intérieur. Mais penser, c'est un verbe d'action, non ? Déjà. Penser, c'est un verbe d'action. C'est ça. Voilà. Et très souvent, en fait, ce genre de personnes pensent que c'est quand tu parles que tu es en action. Et du coup, ils vont se précipiter à agir, pensant qu'en réfléchissant, ils ne sont pas en train d'agir. Alors que la réflexion, c'est même une meilleure action, plus productif en fait, qui permettra de pouvoir libérer une action extérieure qui est beaucoup plus concrète et plus sage en fait. Ce que je voulais peut-être ajouter, la pensée en termes de définition. Ça va? Bon, notre apôtre est tellement occupé, il est tellement busy, ben, s'il peut se reposer, ça montre qu'après, on sera bien béni parce qu'il sera toujours en forme et tout. Qu'est-ce que je voulais encore dire? Ben, je voulais simplement ajouter qu'effectivement, la pensée peut être une action ou pas toujours une action. Mm-hmm. Parce qu'on peut recevoir, comment dire ça? Il y a des pensées qu'on peut recevoir. Mm-hmm. On peut subir des pensées. Mm-hmm. Parce que la Bible parle quand même des traits enflammés du diable. Mm-hmm. Les traits enflammés sont des pensées. Donc on peut subir des pensées. Donc pensée n'est pas toujours un verbe d'action, pour vraiment être dans le français. Mm-hmm. On peut subir des pensées, on peut les recevoir, on peut les méditer, ainsi de suite. C'est comme on parle souvent du cas de l'adultère. Je pense que c'est pour ça que Jésus va être très, très prudent. Parce que, bon, déjà, il n'a pas vu la scène, il n'était pas avec la dame, il ne sait pas comment ça s'est passé. Est-ce que c'était en pensée, si c'est en action, son péché d'adultère. Donc, Jésus va être très, très prudent. Et je reviens un peu, on avait parlé de ça la dernière fois, le cas de l'adultère en pensée. Je pense qu'il faut vraiment avoir le discernement pour savoir que quelqu'un commet l'adultère en pensée. Encore une fois, il faut vraiment être prudent parce que si on prend la définition de la pensée, c'est pour ça que j'ai vraiment insisté sur cette définition-là. Si
quand on parle la pensée, comment dire ça, le péché, l'adultère en pensée, il faut vraiment avoir du discernement pour savoir que plus la pensée va venir, comment dire ça, agir sur les émotions et sur le corps. Je pense que c'est ce qu'on appelle le péché d'adultère. Il faut accepter une pensée, il faut méditer là-dessus. Et d'ailleurs, quand on parle de la sexualité, c'est d'abord dans l'âme. Le désir sexuel, c'est dans l'âme. Donc Jésus va s'il n'y a pas dans l'âme, c'est très compliqué. Pas l'âme, parce mais si c'est la libido, c'est principalement dans l'âme. Dans l'âme, il y a des répercussions donc, sur le corps. Voilà, donc ça, des répercussions, c'est comme ça. Donc on voit que Jésus va être extrêmement prudent. Et le péché d'adultère en pensée, il faut vraiment avoir du discernement pour prouver ça. Parce que tant que la pensée n'est pas acceptée, n'est pas méditée, ça doit avoir des répercussions comment dans le corps. Il faut qu'il y ait certaines... comme on sait, le corps doit réagir. Sinon, c'est pas le péché d'adultère en pensée. Donc Jésus va être très, très prudent. Il va même confondre leurs pensées. Il n'était pas sûr c'était en action, même en pensée. La preuve, les gars vont se... Ils mais vont non, mais plusieurs parce chemins. Que apparemment, cette histoire ressemble déjà à un règlement de compte. Hein. C'est oui. ça. Il y a c'est un règlement de compte. Peut-être que c'est une dame qui sortait avec tous ces gars-là, en fait. Et que, ils se sont rendus compte. Voilà, ils se sont rendus tous compte et ils se sont entendus pour la faire lapider, pour les gens, pour dire, bon, si elle meurt, nous perdons tous. Nous perdons tous. Et puis, c'est devenu connu, personne ne va savoir ce qui s'est passé. Personne ne va savoir, parce que quand le Seigneur Jésus va dire que celui qui n'a jamais péché jette la première pierre, pourquoi tous partent? Pourquoi tous partent? Parce que la Bible va dire quand même que leur conscience, en fait, va les accuser. Un à un. Bon, tout ça, c'est un peu des suppositions qu'on va faire autour de cette histoire-là. Parce que, bon, la Bible dit juste qu'elle a été accusée d'adultère. Donc, on ne sait pas si elle l'a vraiment fait ou pas, en fait, ce que vous suivez. Ou c'était un complot. Parce que ça pouvait être aussi un complot de la part de ces personnes-là. À cette époque-là, on pouvait voir des personnes monter des complots contre d'autres qui pouvaient aller jusqu'à la lapidation. Et ça se voit que leur conviction ne tient pas. Peut-être qu'ils étaient même dans la psychose. C'est-à-dire les choses qu'ils ont l'habitude d'entendre. Ils se font... C'est comme des gens qui prophétisent. Je pense que tu parles de ça une fois. Les gens prophétisent sous l'influence des chaînes de télévision. Ils entendent. Tu nous avais parlé de ça, je crois, il y a 3 ans. Comment des prophètes sont passés à côté d'un événement, d'une élection électorale et tout ça. Et comment quelques prophètes ont su prophétiser. Ils ont entendu sur Internet et ils sont venus se pointer comme prophètes. Donc, ça arrive également dans notre discernement. On est entouré. On se fait même des idées sur quelqu'un et ça, faut notre discernement. C'est pour ça que Jésus va confondre leur cœur. Non, vous êtes peut-être rempli de mauvaises pensées et ça fait que vous êtes dans le jugement. Vous faussez. Et ça arrive, malheureusement, de nos jours. Jésus va confondre leurs pensées. Il dit, non, est-ce que vous êtes sûr? Il va dire un truc. Ils vont partir. Peut-être qu'ils étaient là psycho, c'est qu'ils ont l'habitude d'entendre. Ils pensaient ça. Mais dans cette lancée, sur cette lancée, Pasteur Isaac, justement, la Bible va dire qu'ils partent du plus grand au plus petit. Ça veut dire ceux qui ont la conscience la plus chargée. Parce que le plus petit a commis moins d'erreurs que le plus grand. Donc, du coup, en fait, c'est... Bonne analyse. Du plus grand au plus petit part. Mais ça montre aussi, effectivement, pour aller dans le même sens que le pasteur Isaac, que le système de pensée est déjà biaisé, en fait. Comme biaisé. Le système de pensée est déjà biaisé, en fait, il n'y a plus de lucidité. Effectivement, les personnes qui se hâtent à parler trop vite, des fois, ne se rendent pas compte qu'ils sont aussi en train de traduire leur manque d'objectivité. Parce qu'en fait, quand je ne suis pas objectif, je commence à dire des choses et plein de choses qui ne sont même pas justifiées. À partir de ce moment-là, je vais même moi-même dire des choses qui vont trahir la pensée profonde de mon cœur. Et certaines personnes ne se rendent pas compte qu'en fait, ils s'exposent eux-mêmes parce qu'ils sont en train de dire des choses. Et des fois, tu es juste en train d'écouter, tu dis, ah d'accord, donc c'est ce qu'ils pensent. Exactement. Et voilà, comme le pasteur Isaac dit, le pasteur Darius disait, ils se mettent à nu tout seuls. Je pense plus personne veut prendre le bal. Maintenant, je veux continuer sur cette lancée. Ok, bon, est-ce qu'on peut parler des dégâts de mauvaises pensées dans la vie des gens? Parce que c'est en fait la vérité, c'est des grosses bombes à retardement. En fait, les mauvaises pensées dans la vie de quelqu'un, c'est du poison. C'est du poison qui tue à petit feu, en fait, les gens. Et ça peut même rendre fou, en fait, les mauvaises pensées. Et j'aime ce que tu as dit, apôtre, bombe à retardement. Parce que une bombe à retardement, c'est une bombe qui explosera à un moment donné. C'est ça. Ça peut être dans 1 mois, 6 mois, même dans 20 ans. C'est ça. Et l'idée, c'est que c'est une semence, en fait.
fait, qui est semée dans le cœur. Et parce que et la plupart du temps, en plus, cette semence est légitimée. En fait. C'est-à-dire qu'on va se dire, non, mais avec ce qu'on m'a fait, comment on m'a parlé, c'est normal que je me sente comme ça. Et souvent, ce type de personnes vont en parler à des personnes qui vont alimenter. C'est ça. Et au final, c'est peut-être 15 ans, 20 ans, ou peut-être quelques mois plus tard, où la chose va exploser. C'est ça. Et cette personne, souvent, va croire qu'elle est légitime de penser comme ça. Et l'abbé va nous dire, en fait, que va nous faire comprendre, du moins, que toute mauvaise pensée ne doit pas rester dans notre cœur et qu'on a la responsabilité de garder notre cœur plus que toute autre chose et qu'on ne doit pas permettre une quelconque mauvaise pensée, quelle que soit la légitimité, en fait. C'est ça. La Bible va quand même dire que telles sont les pensées d'un homme, tel il est. En fait, les pensées sont comme des briques qu'on pose pour construire une maison. Ça veut donc dire que chacune des pensées que je vais avoir et que je vais, ou du moins s'accepter, parce que le pasteur Isaac disait qu'il y a des pensées qui ne sont pas de nous, vont construire une sorte de bâtisse. Donc ça veut dire que les mauvaises pensées que j'ai, effectivement, on parlait de bombe à retardement, vont petit à petit préparer un chantier qui sera difficile de détruire. Bah, et oui, hein. La dernière émission, on parlait de forteresses. On a dit pas blague avec ça, parce exactement. Que c'est des sous-bassements. Solides, en fait. C'est du béton armé. C'est important qu'on ne détruit pas comme ça, là, en fait. Continue, pasteur. En fait, les gens pensent que je refuse d'accepter certains messages tout simplement parce que je ne veux pas. Non. En fait, il y a des gens qui viennent s'asseoir dans les églises et qui ont du mal à accepter la parole de Dieu parce que pendant des années, en fait, ils ont subi des coups de la vie et des pensées se sont érigées en forteresse au point où quand on vient prêcher la parole n'arrive pas à rentrer. Elle n'arrive pas à pénétrer. Et c'est difficile de détruire ces forteresses-là parce qu'il faut d'abord renouveler le système de pensée. Et même quand la Bible parle de renouvellement de l'intelligence, il ne s'agit pas ici d'un renouvellement, un claquement de doigts. C'est un renouvellement qui va prendre le temps. Ça veut dire que la personne doit accepter que la parole de Dieu va venir déraciner ses pensées pour installer un nouveau système de pensée. Bon, je peux parler longtemps. On peut pas rebondir sur ce que disait, parce que j'ai bien aimé son image, en fait, par rapport aux briques. C'est, en fait, c'est que l'image que j'avais, c'est comme une personne qui veut construire avec des parpaings, ou du moins qui a construit pendant longtemps avec des parpaings, c'est-à-dire de mauvaises pensées. Et la parole, et un jour, il attend la parole de Dieu qui est une petite brique, et il veut maintenant mettre les briques au milieu des parpaings. C'est pas possible. C'est ça. C'est soit il construit avec les petites briques, soit avec les grosses briques, les parpaings. Donc l'idée, c'est d'abord de détruire ce qui a d'abord été construit avant. C'est ça, en fait. Et très souvent, les chrétiens vont se dire que comme ils ne sont pas d'accord, c'est forcément pas bon. Alors qu'ils font confiance à leur pensée, ils font confiance à leur système de pensée. Alors que la Bible va nous dire qu'il faut que nous puissions renouveler notre mentalité par la parole de Dieu. C'est-à-dire que je pense qu'on doit prendre la décision de se dire: je refuse tout ce que je pense et je décide d'accepter ce que la parole de Dieu me dit, en fait. Et c'est une décision, en fait. C'est ça. On va, ça va pas venir parce qu'on a envie ou bien parce que quelque chose nous donne la possibilité de le faire. Quoi. Moi, je connais des personnes, en fait, où il y a tellement un bordel dans leurs pensées. Le diable va envoyer des traits enflammés. Il va envoyer, il va envoyer. Et les gens, en fait, ces pensées vont devenir des obsessions. À un point où... mais c'est vraiment terrible parce que ces pensées vont littéralement comme devenir des voix, en fait. Ça va devenir des voix, en fait. Et vous avez l'impression que cette personne-là entend des voix. Elle va venir, elle va te dire, non, mais tu as dit ceci ou tu as dit cela. Le problème, c'est que quand on ne règle pas les problèmes de pensée, les pensées vont vraiment se mettre à l'aise. Si ce sont des bonnes pensées, les bonnes pensées vont se mettre à l'aise. Si ce sont des mauvaises, elles vont se mettre à l'aise. Et quand elles vont se mettre à l'aise, elles peuvent vraiment parler fort dans ta tête. Elles peuvent vraiment parler fort à un point où... voilà, tu peux te retrouver dans des difficultés à tout juger bizarrement, à tout voir bizarrement. Moi, je connais certaines personnes qui... Faut comprendre qu'en fait, si vous ne cadrez pas et gérez pas correctement vos pensées, en fait, vous pouvez devenir stupide. Sérieusement, vous pouvez devenir stupide parce que il y a des personnes, vous leur faites un truc, leur réaction va être disproportionnée à ce que vous avez fait. Mais quand vous étudiez bien, au départ, c'est son mauvais système de pensée. Peut-être que son système de pensée dit que non, là, tu vas te faire avoir, donc il faut que tu frappes plus fort. Mais le problème, c'est qu'après, la personne se retrouve dans des mauvaises situations. Tu voulais dire quelque chose, pasteur? Oui, en fait, c'est que par rapport à ce que tu disais, c'est que... Excuse-moi, pasteur. Hein, non, je devais te donner un retour, mais... J'ai beaucoup à dire. Après, si ok, si on y va. En fait, c'est que à partir du moment, en fait, où tu as dit tout à l'heure que les pensées
vont générer même des voix. C'est ça. À force de les écouter. Je pense que même ils vont générer aussi des images. C'est vrai. Ah, c'est des gens, en fait, qui vont commencer à voir des choses. À se faire des films. À se faire des films. C'est ça. C'est-à-dire qu'à interpréter. Pourquoi le pasteur Isaac me regarde comme ça? Donc, s'il me regarde comme ça, ça veut dire ça. Mais tu viens de te faire un film, en fait. C'est-à-dire qu'elle regarde une situation qui est normale, mais elle voit autre chose, en fait. Elle va commencer à se faire des films, voir des choses. Pourquoi lui, il est habillé comme ça? Pourquoi il se comporte comme ça? Ah, il m'a pas dit bonjour. Machin. Et ça, c'est le système des pensées, encore une fois. Pourquoi? Parce que souvent, encore une fois, c'est les gens qui sont blessés, qui ont été frustrés ou qui ont accepté des mauvaises pensées. Ça fait que tout va être complètement mélangé. Et souvent, pour ces personnes-là, c'est très difficile parce que là, ils ont vraiment besoin d'un mentor qui va leur dire non, là, c'est pas bon. C'est vrai. Ça veut dire que là, ta façon de penser n'est pas bonne. Cette personne doit être capable d'écouter son mentor et lui dire, même si j'ai envie d'aller vers là-bas, mon mentor me dit de ne pas y aller. Tout en moi me dit d'y aller, mais je veux l'écouter. Pourquoi? Parce que j'ai reconnu et je sais que mon système de pensée n'est pas bon. Et c'est là où c'est difficile parce que certaines personnes vont se dire, ouais, mais je ne vais plus être moi-même. Comment je vais faire? Et du coup, ça va être compliqué. Et comme tu dis, ils vont penser qu'ils vont se faire avoir. Donc, pour ne pas se faire avoir, ils vont se dire, bon, on ne sait jamais là, peut-être cette fois-ci, j'ai raison. Donc, j'essaie mon chemin. Et en général, ils se font vraiment avoir. Ils se font vraiment avoir. Non, mais effectivement, c'est ce qu'on est en train de dire. La pensée est un film. Oui, c'est ça que nous disons. Non, c'est ça la définition que j'ai donnée, c'est que la pensée est comme un film. C'est un ensemble d'images. C'est ça la pensée. Je pense que moi, cette définition-là m'aide beaucoup. La pensée est une image ou un film, un scénario. Voilà des choses que tu penses. Et c'est ce qui se passe. Donc, qu'est-ce que je voulais dire? C'est que. Je suis pas obligé de parler. Je peux prendre les choses à dire. Je peux prendre la suite. Moi, je vais attendre la suite parce que moi, j'ai des choses à dire. La révélation mijote. Là, ça ne mijote pas. Non, je tiens en train de dire ben, les pensées, effectivement. Qu'est-ce que vous voulez encore dire? Et pas ça, Isaac, je peux intervenir comme ça le temps que tu trouves. Il n'y a pas de problème. Laisse la parole, ça va revenir. Ça va revenir. Donc, l'intelligence nous permet vraiment de voir le type de pensée qu'on a. Comme je l'ai dit, avec l'intelligence, on peut mesurer les possibilités que les pensées qu'on a vont avoir. Donc, effectivement, quelqu'un qui va avoir des mauvaises pensées peut voir le type de vibration qu'il a. C'est normal, quelqu'un qui a des mauvaises pensées. Nous sommes en train de voir les dégâts, n'est-ce pas? Des mauvaises pensées. Quelqu'un qui a des mauvaises pensées, effectivement... Il revient avec sa vibration. Je reviens là. Non, mais effectivement, c'est important. Puisque les bonnes pensées vont déterminer le bonheur. Donc la vie, l'éternel est mon berger. Les bonnes pensées vont déterminer le bonheur qu'on aura. Donc quand on lit la parole, on peut voir. Je ne veux pas être fataliste, pour ceux qui nous regardent, on peut savoir qu'on n'est pas nourri des bonnes pensées. On voit vraiment que des mauvaises pensées, comment dire ça, des pensées mauvaises ne vont pas nous enrichir à l'intérieur. Je pense peut-être qu'on aura le temps de parler peut-être de la dépression, de l'oppression, ainsi de suite. Donc je pense que un chrétien doit être objectif pour voir le type de pensée qu'il a. C'est ça. Parce que les pensées vont déterminer, c'est pour ça que je reviens un peu sur les vibrations, l'énergie, ainsi de suite. Les mauvaises pensées, on est en train de voir les dégâts des mauvaises pensées. Les mauvaises pensées vont vraiment biaiser, comme on l'a dit, notre jugement. Et le pasteur Gentil, la dernière fois, parlait de quelqu'un à qui on avait dit « tu as eu 15 et l'autre a eu 17 », je pense quelque chose comme ça. Et la personne a mal réagi. Et ça, c'est vraiment l'âme. Parce que quand on parle de pensée, on parle vraiment de comment l'âme fonctionne. L'âme a tendance à faire un lien entre les pensées qu'on a et des événements extérieurs. C'est exactement ça. On produit un type d'émotion. Donc, c'est facile de voir ce que j'ai des bonnes pensées ou pas. Ou bien, si on ne les a pas toujours, mettre les bonnes pensées. En fait, c'est important de comprendre comment l'âme fonctionne. Je pense qu'il ne faudrait pas qu'on reste fataliste. Et moi, je ne crois pas qu'une pensée aujourd'hui peut être une bombe à retardement dans un an. Je ne crois pas. Pour quelqu'un qui médite la parole de pour Dieu. Pour quelqu'un qui médite la parole de Dieu. Quelqu'un qui médite la parole de Dieu. C'est pour ça que je disais vraiment, je ne veux pas être fataliste. Beaucoup plus dans des situations aujourd'hui. Donc, quand on a des mauvaises pensées, il faut que les gens comprennent que l'âme, puisque ces pensées-là, je l'ai dit, vont produire les émotions. Il faut que les gens regardent beaucoup les pensées en fonction des émotions qu'ils vont avoir. Exactement. C'est comme ça que les gens doivent voir si j'ai des bonnes pensées ou pas. Et parce que l'âme va toujours faire un lien entre ce qui est enfoui dans le subconscient, encore une fois,
et les événements extérieurs. Parce qu'en fait, le diable sait très bien que les émotions, quand elles se manifestent, ça devient une force, en fait. Ça peut être une force contrôlable ou incontrôlable sur les personnes immatures. Les personnes matures savent contrôler leurs émotions, les immatures ne savent pas contrôler leurs émotions. Les émotions, en fait, ce sont des impulsions. Ça nous pousse à agir par impulsion. C'est ça. Et c'est ce qui est, c'est ce que le diable sait que s'il te met une mauvaise pensée et tu ne repousses pas cette pensée-là, il est capable de pouvoir créer en toi, de susciter en toi une émotion toxique. Il est capable de mettre de la peur. Et dès l'instant où tu as peur, vous savez, quelqu'un qui a peur va agir d'une certaine façon. Il peut faire des erreurs, en fait. Il peut mettre des pensées en toi qui vont susciter l'émotion toxique de la tristesse. Et quelqu'un qui est triste, si c'est abusé, si des jours et des jours tu es triste, tu peux tomber en dépression. Et c'est l'une des raisons pour lesquelles on encourage souvent les chrétiens à faire attention aux, à la manifestation des émotions toxiques. Mais ça commence comment? Ça commence souvent par des pensées que le diable vient mettre ou par des pensées que les gens te véhiculent par leurs paroles. C'est ça, en fait. Exactement. Qu'est-ce que le diable veut provoquer? Il veut provoquer, en fait, une émotion toxique qui va te mettre dans un état. Et à partir de ce moment-là, il sait que tu sais gérer les émotions ou que tu ne sais pas gérer les émotions. Si tu ne sais pas gérer, tu es foutu. Si tu as peur, tu vas commencer à trembler, stresser. Si tu es triste, tu vas commencer à être triste tellement, voilà, à être dans la dépression même. C'est trop vrai ce que tu dis, apôtre, parce que le diable essaie vraiment de nous... de provoquer des émotions chez nous. Une fois, dans un prime, j'avais parlé du fait que télévision, en fait, veut dire tell a vision. Le fait de raconte une vision, donne une vision, en fait, donne une certaine image pour provoquer une certaine façon de se comporter ou une certaine façon de penser. Et ça me fait penser d'ailleurs à Abraham, à l'époque, quand Dieu lui a montré les étoiles, lui a demandé de compter. Et quand il n'a pas pu compter, Dieu lui a dit, en fait, qu'il va avoir autant d'enfants, en fait. Et après, la Bible va dire, Abraham eut confiance en Dieu. Autrement dit, sa foi est née. Autrement dit, il a vraiment cru en Dieu. Ce qui veut dire, en fait, que à partir du moment où il a vu, ça a provoqué des pensées en lui. Parce qu'il avait vu quelque chose, en fait. Et souvent, le diable va nous pousser à voir, va nous pousser à entendre, dans le seul but, en fait, de faire naître des pensées au-dedans de nous, de nous faire naître une certaine foi. Parce que quand Abraham avait vu, la Bible va dire qu'il eut confiance en Dieu, c'est là où maintenant il commençait à se dire, ah, donc c'est possible. Ah, ok, donc ça va fonctionner. Ah, d'accord, machin. Et souvent, le diable va faire la même chose. Il va envoyer une mauvaise pensée, ou bien il va montrer une image, une personne qui te parle mal, ou bien il va te faire vivre une situation qui est difficile, et là tu vas dire non mais en fait je pense que je peux pas y arriver, oh non mais en fait je suis nul, pourquoi? Parce que les situations le disent, donc c'est que je le suis, etc. Et les pensées vont se développer comme ça, et ça va développer des mauvaises émotions, la personne va souvent agir en croyant être légitime dans ses actions, en disant mais regarde ça, regarde comment ça a fonctionné ici, là j'ai raté, là-bas j'ai échoué, donc c'est sûr que là aussi je vais échouer, et c'est comme ça que les mauvaises pensées vont grandir, en fait. Oui, pas ça, gentil. Et pour rebondir, heureusement, tu es revenu sur ça parce que tu avais dit quelque chose et comme ça a fait un tour, du coup, j'ai pas pu rebondir sur ce que tu as dit. En fait, je vais prendre mon témoignage pour que les gens arrivent à s'identifier un peu à ce que je vais dire. J'avais remarqué que j'avais tellement de blessures qu'à un moment donné. Non, ça va, tu entendais. Lorsque. Effectivement. Tu m'attendais pour la place. Ah non. Vas-y, parle. Non, vraiment pas trop. Je veux pas commencer. Ça va vraiment nous édifier. Vas-y. Mais je pense que les gens vont vraiment s'identifier à ce que je veux dire. Et du coup, quand chaque fois que quelqu'un se moquait de moi, ça réveillait une blessure qui faisait qu'il fallait absolument que je réponde pour ne pas me sentir rabaissé. Et je me souviens d'une situation, je pense pas que le pasteur Darius va se souvenir de ça, mais un jour, il était en train de il me charriait, mais ça date vraiment il y a des années, et j'étais là, je me disais non, faut absolument que je réponde, parce que sinon il va prendre le dessus sur moi, alors que on était dans une ambiance bon enfant. Alors, malheureusement, ce qui s'est passé, c'est que quand j'ai répondu, l'atmosphère a été tout de suite glacée. Glaciale, tu vois, alors que l'ambiance était vraiment bon enfant, mais moi dans ma tête, je me disais c'était la guerre. Non, c'est la guerre, tu vois, non, faut pas que je laisse gagner du terrain, faut que je réponde, tu vois. Et ce qu'on est en train de dire est vraiment pertinent. Faut faire très attention aux voix qu'on va entendre, parce que
tu peux être dans un délire alors que personne n'est dans ce délire-là. Non, c'est clair. Tu vois, et je me disais, il faut que je réponde, sauf que quand je réponds, je plombe l'atmosphère. Et ça arrivait tellement qu'au bout d'un moment, je me suis dit, mais il faut que je m'analyse. Qu'est-ce qui se passe chaque fois qu'on est dans une ambiance bon enfant, je réponds et ça plombe l'atmosphère. Je me suis analysé, je me suis rendu compte. Je me suis rendu compte qu'en fait, le problème venait de moi. Le problème, ce n'est pas les autres qui voulaient rigoler, mais le problème, c'était moi. J'avais tellement de blessures que, en fait, la réponse que je donnais à l'écho de mes blessures faisait que ça plombait l'atmosphère. Donc, c'est important de s'analyser, se dire pourquoi lorsque je réponds, en fait, ça amène souvent une atmosphère. Parce que les blessures vont aller avec une atmosphère. Comme la peur va aller avec une atmosphère, la colère va aller avec une atmosphère. Chaque pensée installe un type d'atmosphère. Et il parlait tout à l'heure d'Abraham qui a commencé à avoir des pensées. Ça a installé une atmosphère de foi. Ça veut dire que les pensées que je vais avoir vont installer un certain type d'atmosphère. Et l'atmosphère que je vais avoir va déterminer la saison dans laquelle je vais fonctionner. Exactement. Et c'est pour ça que c'est très important d'arriver à gérer ses pensées. Non, il faut faire attention. Excuse-moi, pasteur. Il faut vraiment faire attention, hein. Parce que pour provoquer les émotions, on l'a dit, ce sont les pensées. Et parfois, quand vous discutez avec les gens, il y a des personnes qui ont l'art. Je discutais tout dernièrement avec un ami pasteur qui a commencé à interpréter de plusieurs façons tout ce qui est en train de se passer. Le Covid, le vaccin, nanani. Et il y a des choses avec lesquelles je ne suis pas d'accord avec lui, en fait. Notamment le fait qu'il pense que l'Église va subir... tous les problèmes de l'antichrist, la bête, la tribulation, tout ça, alors que moi je suis convaincu que l'Église sera enlevée avant la tribulation. Et il a commencé à vraiment expliquer des choses, mais ça fait peur. Il a commencé à parler du vaccin, du Covid, et à définir ce qu'il y a dedans. Il n'a même pas parlé des nanoparticules. Même les nanoparticules, là, ça ne faisait même pas peur. Vous suivez? Ah non, il te parle d'un truc qui va rentrer dans nos gènes et va modifier nos gènes. Donc, il s'agit là d'une mutation de machin. À un moment donné, plus il parlait, plus j'avais peur. Ah ouais. Plus il parlait, mais incroyable, pasteur. Plus il parlait, plus... j'avais peur. Plus la peur venait. À un moment donné, je me suis ressaisi. Je me suis dit, je ne permets pas que ce genre de pensée là vienne. Et je l'ai arrêté tout de suite. Je lui ai dit, mais je ne sais pas si tu te rends compte, frère, que tu fous la trouille aux gens. Tu vois, je lui ai dit, si c'est ça que tu dis le dimanche matin à tes paroissiens, mon frère, tu fous la trouille aux gens. Parce que tout après, il m'a dit, oui, mais Jérémie, il était là, il foutait la trouille. Mais Esaïe, il foutait la trouille. Je lui ai dit, non, Esaïe et Jérémie, ils ont quand même dit, si tu marches par les eaux ne te submergeront pas. Si tu traverses le feu ne te brûlera pas, en fait. Et parfois, c'est ça que le diable veut faire. Parce que si j'avais cédé à la peur, ça génère autre chose. Parce que la peur peut amener l'immobilisme, en fait. Le fait de ne rien faire. Parce que tu te dis, bon, j'ai déjà perdu. C'est vrai. Vous voyez, non? Tout à fait. En fait, tu prophétises la fin alors que ce n'est pas fini. Ouais, on voit vraiment, par rapport à ce que vous venez de dire, on voit vraiment que les pensées vont déterminer la fréquence dans laquelle on va fonctionner. Non, exactement. En confondant la fréquence de Dieu, on va fonctionner la fréquence de ce monde. Mais c'est ce qui se passe. Et ça rejoint un peu ce que je disais. C'est que les types de pensées vont déterminer l'énergie ou les vibrations qu'on va libérer tout autour de nous. En fait, c'est ça. Quand on parle de... Même la peur libère une certaine énergie. Ça fait une énergie négative. La colère va libérer une certaine énergie. Je pense que tout est question de vibration. Quand on a des bonnes pensées, on va s'inscrire, on va se connecter, on va être une certaine fréquence. C'est ce qui fait que quand on a des mauvais enseignements... Parfois, on parle tout le temps de blessures. Oui, il y a des blessures. Bon, peut-être qu'on reviendra sur la définition de tous ces mots-là parce qu'il faut que les gens comprennent. Mais je pense que c'est surtout les mauvaises informations qu'on a par rapport à ce que le pasteur Gentil disait. Parfois, en fonction des informations qu'on a, on va avoir un type de réaction. Je prends l'exemple, quelqu'un qui a 15, on dit que l'autre a 17. Tu vas te sentir mal à l'aise. C'est parce qu'on a certaines informations qui font qu'on réagit mal. En fait, ça sont des émotions et c'est enfoui dans notre subconscient. Mais si tu dis, ben, tiens, ben, c'est bien si l'autre a eu 17, moi j'ai eu 15. Mais je veux peut-être copier sur lui. Pour faire mieux. Vous voyez, ça, c'est une autre approche. Tout est lié, ce n'est pas tout le temps des blessures, c'est le type d'informations qu'on a qui sont enfouies dans le subconscient, qui vont faire en sorte qu'en fonction d'un événement extérieur, l'âme va faire une correspondance, créer le type d'émotions et des réactions, en fait. C'est pas tout le temps des blessures pour rester un peu plus positif. On va vous montrer de toutes les façons, dans une des émissions, dans cette série, comment gérer les pensées, en fait. Parce que
Proverbe chapitre 23, verset 7 nous dit qu'un homme est comme ses pensées. Amen. Ça veut dire qu'en fait, les pensées vont activer même une loi appelée la loi de l'attraction. C'est-à-dire que tu vas attirer soit des mauvais événements dans ta vie, soit des bons événements dans ta vie si tu ne fais pas attention. Amen, amen. Tu ne peux pas tout simplement regarder cette émission-là et dire « Ah, moi, je pense juste comme ça et c'est bon, je ne vais pas faire ce travail-là. » Non, il faut que tu fasses ce travail. Je me rappelle d'une chose, j'ai discuté avec une sœur, en fait, et je prends souvent ce, je fais souvent ce témoignage. J'ai discuté avec une sœur, en fait, qui venait d'arriver à l'église, et elle a commencé à dire « Non, telle personne ne m'aime pas, telle personne ne m'aime pas, telle autre ne m'aime pas. » Et je commençais à défendre ces personnes-là. Je dis « Mais non, comment tu peux dire ça ?» Elle dit « Non, je sens qu'elles ont un problème avec moi. » Et le truc, c'est que quand je m'en vais vérifier, je me rends compte que ces personnes ont un problème, effectivement, avec elles. Mais au-dedans de moi, je suis gêné. Au-dedans de moi, j'ai un témoignage intérieur négatif, en fait. J'ai du mal à accepter que c'est un discernement du Saint-Esprit qu'elle a eu. Et je ne comprends pas, en fait, parce que son intuition était vraie. Et je n'arrivais pas à comprendre. Et une autre fois, elle s'est encore mise dans un groupe, hein, et elle a dit « Telle personne ne m'aime pas, telle personne ne m'aime pas, en fait. » Je dis « Mais c'est quoi? Qu'est-ce qui t'amène à dire ça? Non, je le sais, non, je le sens. » Et quand je vérifie, je me rends compte effectivement que ces personnes-là, pas qu'ils ne l'aimaient pas en fait, mais ces personnes-là avaient un problème avec son attitude. Et là, j'ai demandé au Saint-Esprit, je lui ai dit, mais pourquoi en fait, à chaque fois qu'elle arrive dans un groupe, ça se passe comme ça? Et le Saint-Esprit m'a dit en fait que c'est son système de pensée qui attire ça. C'est que quand elle arrive à un endroit, elle pense que les gens ne vont pas l'aimer, et effectivement, les gens ne l'aiment il pas. Il le fait selon sa foi. Voilà, parce que, voilà, il est fait selon sa foi. Parce qu'elle elle attire ça par son mauvais système de pensée. Beaucoup de gens ne se rendent pas compte que tous les malheurs qui leur arrivent et tous les problèmes qui sont autour d'eux, la base et la source, c'est leur système de pensée. En fait, la pensée, c'est vraiment pourquoi la dernière fois. Et pour ça, la dernière fois, tu vois, je parle de cette affaire d'énergie là. Moi, ça m'aide beaucoup. Quand je confesse la parole de Dieu, on le verra peut-être. Je sais que ce que je veux semer au-dedans de moi va déterminer ce que je veux attirer. C'est exactement ça. Je trouve ce chemin de vibration d'énergie. Je sais que les bonnes pensées que je vais enfouir au-dedans de moi vont déterminer l'énergie que je veux dégager. Cette énergie va forcément contrôler. C'est pour ça qu'on n'a même pas besoin de contrôler les événements dans ma journée. Amen. Et je pense que c'est un chemin qui peut peut-être aider quelqu'un. Amen. Pour revenir à ce que tu disais, apôtre, par rapport au fait d'attirer des choses, en fait. En fait, Dieu, je reviens sur l'histoire que j'ai dit tout à l'heure, pour que Abraham puisse avoir la foi pour avoir cet enfant, Dieu lui a d'abord montré pour développer une pensée. Mais je ne sais pas si tu te rends compte qu'à chaque émission, tu parles d'Abraham. C'est vrai. Mais je te dis la vérité. Je te Abraham dis... ou Pierre? Non, Abraham ou Pierre. Je te dis, eux, ils vont t'accueillir au ciel. Dis-moi, merci beaucoup. Tu nous as fait de la bonne Merci beaucoup. Ça veut dire que je suis un homme de foi. Après, dans la Bible, il y a des personnages qui nous attirent plus que d'autres. Parce que moi, Abraham, il m'impressionne, mais comme pas possible. Parce que, donc, du coup. Moi, c'est Jésus. Le pasteur Isaac, on sait, bah, Isaac, hein. C'est l'énergie. Du coup, en fait, c'est que ce qui s'est passé, c'est que Dieu va vouloir provoquer une atmosphère autour d'Abraham pour qu'il puisse développer sa foi, pour qu'il puisse en fait attirer cet enfant. En fait. C'est ça. Parce que Dieu ne lui a pas ramené l'enfant. Dieu n'a pas prié, n'a pas guéri de façon, comment je vais dire ça, miraculeuse, instantanée. Instantanée, voilà. Voilà, Abraham ou bien Sarah. Ce qu'il a fait, c'est qu'il les a poussés à voir, il les a poussés en fait à développer cette atmosphère pour qu'ils puissent avoir l'enfant. Non, parce que je pense que ce qu'il a fait est bien mieux qu'un simple miracle instantané, parce que, comme on dit souvent, il vaut mieux apprendre à pêcher que plutôt donner le poisson. Parce que s'il avait donné l'enfant, Abraham n'aurait pas pu le sacrifier, peut-être, parce qu'il aurait dit, mais qu'est-ce qui me dit qu'il va, je vais encore en avoir un autre. Mais le fait qu'il ait déjà développé la foi en lui, il sait que Abraham savait que de toute façon quelque chose va se passer parce qu'il était déjà dans une atmosphère de foi, d'où le fait qu'il pouvait croire que même les morts pouvaient ressusciter. Donc en fait, Dieu va toujours tout faire pour que nous puissions avoir une atmosphère de foi. Qui le dit? Qu'il a cru que Dieu pouvait ramener à la vie. Oui, c'est justifié. Ah d'accord, c'est justifié. Continue, pasteur. Tu es dans la foi, mon frère. Continue, pas. Non, tu es dans la foi.
Non, mais... Là, tu es vraiment dans les Écritures. Vas-y, mon frère. Non, t'es pas dans les Apocryphes. Non, mais, non, mais lui, va... Ok. Bon. Vas-y, mon frère. Vas-y, continue, continue. Donc, continue. Il y a des internautes qui sont en train d'être bénis. Amen. C'est ce que tu dis. Gloire à Dieu. Donc, à partir du moment où Abraham va se mettre dans une position de foi, en fait, je me rends compte que dans l'histoire de Tell a Vision, ce que le diable veut, c'est que nous puissions proclamer quelque chose. C'est que nous puissions parler et que nous puissions parler des choses négatives. Mais, c'est ça. Mais Dieu veut que nous puissions parler le positif, que nous puissions parler la vie. Le Seigneur Jésus va dire que c'est ce qui va sortir de nous qui va nous souiller, en fait. Mm-hmm. C'est-à-dire que Dieu va toujours tout faire. Non, Dieu... non, c'est vrai. Non, c'est vrai. J'ai une pensée là. Dieu va toujours tout faire, en fait, pour que nous puissions parler son langage, parler ses pensées. Parce qu'en fin de compte, des pensées, c'est quoi, en fait? C'est, ça va être la description de ce que nous sommes au-dedans de nous, en fait. Et donc, c'est pour ça que souvent, même quand on lit la parole de Dieu, qu'est-ce qu'on essaie de capter? La pensée de Dieu. C'est ça. Qu'est-ce que le diable essaie de faire dans nos vies? De nous communiquer sa pensée. Et donc, je pense qu'on doit vraiment faire attention à ce qui rentre en nous, parce que le but du diable, c'est que nous puissions le déclarer. Ou aussi accepter ce qui rentre en nous quand ça vient de Dieu, parce que le but, c'est de déclarer. Parce que si ça rentre en nous et qu'on déclare la mauvaise chose, on l'établit. Des fois... Et, là, on les... oui, et là, là, on connecte ça même avec les émotions. Hein, parce, qu'en fait, la pensée vient, elle provoque une émotion et l'émotion nous amène à déclarer. À déclarer c'est et c'est important de comprendre que les émotions libèrent une énergie. En fait, les émotions vont donner une énergie plus forte à la parole, en fait. Lorsque tu parles avec une émotion, il y a une énergie qui est libérée, qui est plus forte. C'est pour ça que le diable sait qu'en te mettant ce type de pensée, ça va provoquer tes émotions et tu vas parler avec une énergie et ça va produire quelque chose. Et c'est la raison pour laquelle le livre de Jacques dit « La prière fervente du juste a une grande efficacité. » C'est quoi la ferveur, en fait? C'est prier en y mettant du sien, en mettant ses émotions même parfois. Et c'est pour ça que les gens ne comprennent pas la force et la puissance des émotions, en fait. Ils ne comprennent pas ça. En fait... Moi, je ne comprends pas que tu peux vivre ta vie sans pouvoir gérer les émotions. Déjà même, tu es malheureux. Je me rappelle de cette période où je ne gérais pas mes émotions. C'était vraiment compliqué, j'étais malheureux. J'ai dû prendre une décision. Ça me rendait tellement malheureux parce que je détestais être triste, je détestais être en colère, je détestais avoir ces émotions toxiques, que je me suis dit, non, ça me rend malheureux, il faut que je gère ce truc. Et c'est là où j'ai commencé à apprendre à gérer ça. Et nous allons vous montrer que l'une des façons de gérer vos émotions, c'est de contrôler vos pensées ou de repousser les mauvaises pensées. Donc, si vous arrivez à avoir un contrôle total sur vos pensées, vous allez voir, vous réussirez à bien contrôler vos émotions. Effectivement, c'est pour ça que Dieu nous demande de méditer. Je pense que la méditation va permettre vraiment d'enfuir les pensées. Mais notons également que la Bible est un, comme certains le disent, la Bible est un album. C'est au-delà d'un livre, c'est un album, c'est un ensemble d'images. On voit qu'il va monter une image à Abraham. La Bible est un album. C'est un livre de pensées, finalement. Mais Dieu veut qu'on médite ces pensées-là pour que ces pensées soient enfouies dans le subconscient. Et c'est comme ça qu'on va lever des bonnes émotions quand on parle. Mais effectivement, comme le pasteur Darryl disait, le diable sait que si on accepte ces pensées, ça va déterminer notre langage. Parce que le langage ne fait que véhiculer ces images-là, les pensées qu'on a au-dedans de nous. Mais surtout, ce que Dieu veut dans la méditation... qu'on accepte ses pensées, qu'on les médite, les enfouit dans le subconscient. Je pense qu'on a vraiment besoin que des paroles soient dans le subconscient, de telle sorte quand on parle. Parce que c'est là où il y a la vie. C'est vrai. Dieu veut qu'on parle avec les émotions, en fait, les bonnes émotions. Parce qu'on pense, comme tu le dis toujours, l'apôtre, Dieu nous a créés avec des émotions pour kiffer la vie. C'est pour kiffer la vie. Donc ces mots-là ne sont pas des mauvais mots. Les émotions sont bien. On doit parler avec des émotions. Quand Dieu va rire dans le psaume 2, mais ce sont des émotions. C'est ça. Et on a besoin, Dieu veut même qu'on l'aime avec des émotions. Donc, c'est pour ça qu'il veut qu'on médite pour enfouir les pensées, ces pensées dans la Bible, dans le subconscient, de telle sorte quand on parle avec une certaine profondeur, avec la révélation, avec ce qui est enfoui dans le, quand on parle avec des bonnes émotions. Le mot de fin au pasteur gentil, parce que là, il ne nous reste plus de temps. Là, complètement. Exactement, effectivement. Le mot de fin, juste pour résumer tout ça, Job va quand même dire quelque chose de très pertinent. Il va dire « Ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. » Donc, il faut faire le tri, effectivement, et méditer sur les bonnes choses pour que les bonnes choses puissent nous arriver, effectivement, dans notre vie. C'est ce qu'on va voir dans les prochains épisodes. On va essayer de consacrer deux épisodes sur comment contrôler
nos pensées et nos émotions. On va lier ça. Hein, et vous allez voir, vous allez vraiment être bénis. Hein. D'habitude, on passe plusieurs épisodes à vous expliquer ce qui risque de vous arriver si vous ne contrôlez pas. Mais là, on va passer deux épisodes. On va vraiment vous expliquer les choses de long en large. Si vous avez aimé cette émission, vous pouvez la partager autour de vous sur les réseaux sociaux. Et je vous invite à vous abonner maintenant à Évangile TV. Cliquez sur s'abonner et sur la petite cloche pour être informé des nouveautés des émissions Pendule à l'heure. Vous pouvez aussi nous soutenir financièrement en étant partenaire à la chaîne Évangile TV. Yes. C'était l'apôtre Alain Patrick. J'étais avec le pasteur Isaac, le pasteur gentil, le pasteur Darius. Darius. Pasteur Darius, l'émission s'appelle Pendule à l'heure. Je vous dis à bientôt.